mes frères et sœurs, à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et nous allons suivre la lecture à partir du verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole, non seulement l'obéissance du baptême, et ces dernières paroles, « Sauvez-vous de cette génération perverse », ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, avec le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons les quatre cornes de l'autel, les quatre angles de l'autel sur lequel le feu devait brûler continuellement, puisque l'Écriture nous dit qu'il ne s'éteindra ni jour ni nuit, et c'était la responsabilité des sacrificateurs que de veiller à ce que chaque jour, jour et nuit, à ce que chaque jour le feu brûle sur l'autel. La solution spirituelle pour que le feu sacré brûle sur l'autel de notre cœur, sur l'autel de l'Église, c'est que nous persévérions dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il n'y a pas d'autre solution divine. Les êtres humains peuvent en inventer, les êtres humains peuvent supprimer ce que dit la parole de Dieu, mais le secret de Dieu pour que le feu divin
brûle sur l'autel de notre cœur et sur l'autel de l'Église, c'est que nous persévérions dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il semble que les autres textes vont découler de ces quatre vérités exprimées au verset 42. Et le premier de ces textes nous dit « La crainte s'emparait de chacun ». Il y a au moins deux craintes qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. L'une dont le Seigneur nous délivre par le pardon de nos péchés, par l'expérience de la nouvelle naissance. Jean nous dit dans sa première épître que l'amour parfait bannit la crainte. Et il est certain que le chrétien n'a plus à être dans la crainte concernant le châtiment divin, concernant le jugement de Dieu, puisque l'Écriture déclare ailleurs qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si par son pardon, le Seigneur nous délivre de cette crainte, nous voyons par ce texte du livre des Actes que normalement, elle doit être remplacée par une sainte crainte. L'Écriture nous dit au sujet de cette première Église, la crainte s'emparait de chacun. Comme l'Écriture nous dit ailleurs au sujet de Noé, qu'après avoir été divinement averti par Dieu concernant le déluge, il fut saisi d'une crainte respectueuse. Nous voyons là encore qu'il n'est pas question pour Noé de la crainte du jugement, puisque Dieu lui avait donné le moyen d'y échapper par la construction de l'arche, mais bien de cette sainte crainte, crainte de la personne, de la présence de Dieu, crainte respectueuse. La crainte s'emparait de chacun. Le mot qui est employé ici et qui est traduit par crainte, c'est le mot phobie. Or, nous savons que la phobie est une crainte irraisonnée. De même que dans cette première Église, il s'agissait non pas d'une crainte calculée, non pas d'une crainte qui était le produit de l'intelligence humaine, mais bien d'une crainte qui, humainement parlant, avait peut-être du mal à se définir. En tout cas, l'Écriture nous dit la crainte s'emparait. S'emparer de chacun, comme une armée peut s'emparer d'une ville étrangère, comme le voleur peut s'emparer des biens de quelqu'un, eh bien la crainte s'emparait de chacun. Donc c'était des frères et des sœurs qui n'avaient aucune peur du châtiment, aucune peur du jugement à venir, qui étaient conscients de leur justification en Jésus-Christ, qui louaient Dieu, nous le verrons dans quelques instants, à cause de cette justification, mais qui, à côté de cela, étaient saisis par une sainte crainte.
la crainte s'emparait de chacun. Il est souhaitable que cette même crainte s'empare de chacun de nous. Si nous permettions à cette sainte crainte de s'emparer de nous, il y a certainement des paroles que nous ne prononcerions jamais, des attitudes que nous n'aurions jamais, des actions que nous ne commettrions jamais, parce que nous serions comme Noé, saisis d'une crainte respectueuse. La crainte s'emparait de chacun. Et parce que la crainte s'emparait de chacun, l'Écriture dit « et ». Il y a donc un lien entre la crainte qui s'empare de chacun et « il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres », un lien entre la crainte, les prodiges et les miracles. Or, il faut bien reconnaître, mes frères et sœurs, en toute honnêteté, que nous voudrions bien qu'il se fasse au milieu de nous et pour nous des prodiges et des miracles. Nous voudrions bien que la guérison divine se manifeste dans notre vie quand nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Mais quant à permettre à la sainte crainte de s'emparer de nous, ça, c'est autre chose. Alors pourquoi la crainte respectueuse de Dieu ne peut-elle pas s'emparer de nous? Est-ce que nous pensons que la joie de la bonne nouvelle interdit la sainte crainte? C'est possible. Pourquoi craindrais-je du moment que je crois en Jésus, du moment que j'ai reçu l'Évangile, du moment que la bonne nouvelle est une nouvelle de joie? Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut vivre la joie de l'Évangile tout en permettant à la crainte de Dieu de s'emparer de chacun d'entre nous. Et je le répète, il n'y avait là rien de calculé. C'était une action du Saint-Esprit. C'était l'action de Dieu qui agissait dans le cœur de chaque croyant, qui agissait dans l'Église. Et on voyait dans la première Église ce qu'on voit dans toutes les Écritures. Quand un être humain a la révélation de Dieu, on voyait dans la première Église des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui tremblaient devant Dieu. La crainte s'emparait de chacun. Nous souhaiterions des prodiges, des miracles. Est-ce que nous aurions remplacer la sainte crainte par un esprit d'amusement, par un esprit profane, par un mépris de Dieu et des choses de Dieu, pensant qu'après tout, nous avons été rendus libres, libres de dire, de faire, de penser n'importe quoi. Malheureusement, il est à craindre que nos églises deviennent des clubs, comme on trouve dans le monde des associations de pêche, des associations de chasse. Croyons au Seigneur, nous croyons en Jésus-Christ, mais malheureusement,
la sainte crainte de Dieu est souvent, trop souvent, absente. Il n'y a pas longtemps que quelqu'un me disait, à notre époque, on pouvait encore nous faire des remarques et nous en tenions compte, mais aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est aussitôt la rébellion, c'est aussitôt la contestation. Chacun pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais déjà à l'époque de David, on trouve dans le livre des Psaumes cette prière de David qui demandait à Dieu de le délivrer des dissensions du peuple. Il y a eu des périodes où le peuple d'Israël vivait dans la sainte crainte de Dieu. Et il y a eu des périodes où David reconnaît qu'il avait besoin d'être délivré des dissensions du peuple. Et on trouve aussi dans une prière de David cette demande qu'il fait à Dieu pour qu'il impose silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Or, les dissensions du peuple, l'inimitié du peuple, l'esprit vindicatif du peuple, sachons-le bien, ne produira jamais de prodiges ni de miracles. Il faut donc que nous tenions compte de ce que la parole de Dieu nous dit. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous le voyons dans le livre de Josué. Quand le peuple de Dieu vit dans cette sainte crainte du Seigneur, il peut venir à bout d'une ville comme Jéricho, ville de laquelle personne ne sortait et dans laquelle personne n'entrait. Quand le peuple vit dans la crainte du Seigneur, il peut faire l'expérience des murailles telles que celles de Jéricho qui s'effondrent sans aucun moyen humain. C'est Dieu qui est à l'origine de cette action contre Jéricho. Mais quand la sainte crainte de Dieu quitte les cœurs, alors le peuple perd 36 hommes en voulant attaquer la ville d'Aï. Et le peuple d'Israël n'est venu à bout de la ville d'Aï que lorsque le péché d'Achan a été découvert et que malheureusement, Achan et tous ceux qui lui appartenaient ont été mis à mort. Parce que Dieu dit à Josué, ces gens-là sont devenus un interdit au milieu de vous. Or, ou bien nous souhaitons sincèrement que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs et il se fera des prodiges et des miracles, ou bien nous restons vindicatifs, ennemis de ce que dit la parole de Dieu, et nous aurons à supporter les conséquences de notre inimitié et de notre esprit vindicatif. La crainte s'emparait. Elle s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. L'Écriture va revenir, puisqu'on le trouve dans ces quelques premiers chapitres du livre des Actes, sur l'unité de la première Église. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun,
tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Bien sûr, on se pose la question, d'où étaient les 3000 personnes qui ont été baptisées? D'où étaient les centaines de disciples qui étaient sur la terre avant que Jésus ne connaisse la croix? Comment et où pouvait-on rassembler autant de personnes? J'avoue que je n'ai pas de réponse à donner, et je n'en ai trouvé aucune qui soit satisfaisante concernant le lieu. Mais je m'en réfère à ce que dit l'Écriture, et je crois, tout simplement, que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il n'y en avait pas un sur ces milliers qui cherchait à tirer la couverture de son côté pour se faire valoir d'une manière ou d'une autre. Les chrétiens de la première Église se fondaient dans l'unité, de telle sorte que l'Écriture pourra nous dire plus loin, ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Si on avait demandé à l'apôtre Pierre ou à Jacques, combien y a-t-il de membres dans l'Église de Jérusalem, ils auraient pu répondre « un ». Parce que ces milliers, ces centaines n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Bon, aujourd'hui, c'est à celui qui va ouvrir son épicerie pour avoir 4 personnes par ici, 8 par là, 10 un peu plus loin, 15 ailleurs. On a perdu cette notion de l'unité du corps de Christ. On assiste au supplice de Ravaillac. On écartèle le corps de Christ et chacun en prend un bout pour faire ce qu'il en veut. Mais dans la première Église, il est écrit « tous ceux qui croyaient ». Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Alors ici, permettez-moi cette explication. Il s'agit d'une action ponctuelle. D'une action ponctuelle, parce que l'Église de Jérusalem n'allait pas tarder à être dispersée. Et que ces chrétiens aient vendu leurs propriétés ou leurs biens, ou qu'ils aient tout gardé, ça n'aurait rien changé. Ils auraient quand même, par la persécution, tout perdu. L'Épître aux Hébreux, s'adressant aux premiers chrétiens juifs, leur dit « Vous avez accepté l'enlèvement de vos biens, vous l'avez accepté avec joie. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Vous savez, on peut avoir une maison et ne pas y être attaché, comme on peut ne pas avoir de maison, mourir d'envie d'en avoir une, et faire des pieds et des mains pour l'avoir, jusqu'au mensonge et quelquefois au détournement de fonds. Donc c'est moins le bien extérieur qui a de l'importance que notre attitude de cœur à l'égard de ces biens-là. Il vaut la peine de lire dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, ce que le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Paul et qui
dans ce texte-là, nous montre non pas ce que peut être une action ponctuelle, mais quel est le plan de Dieu concernant notre vie communautaire. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Nous remarquons que très souvent, l'Écriture remonte à Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre modèle. Ou c'est lui qui nous inspire et c'est bien, ou nous le faisons avec lui et pour lui et c'est bien, mais si nous faisons comme Ananias et Saphira, c'est beaucoup moins bien. Verset 10 du chapitre 8, c'est un avis que je donne là-dessus. Car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Nous allons poursuivre la lecture. S'il m'est possible de donner 10 euros à un frère ou à une sœur, pour le soulager dans sa misère, la bonne volonté sera agréable à Dieu dans la mesure de ce que je possède. Mais si au lieu de donner les 10 euros, je les garde, et qu'à ce moment-là je dise « Ah, c'est dommage que je ne puisse pas donner 100 euros », je suis un farfelu. Parce que Dieu ne me demande pas ce que j'aurais envie de donner alors que je ne suis pas capable de le donner, mais la bonne volonté est agréable à Dieu en ce qu'elle possède et non en ce qu'elle n'a pas. Verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Voilà la doctrine. Il ne s'agit plus ici d'une action ponctuelle, mais il s'agit d'une règle dans la vie communautaire eu égard aux biens matériels. Et l'Écriture revient à l'expérience de la manne. Il y avait une mesure, le homer, et on passait par la mesure pour que chacun ait un homère de manne. Alors celui qui en avait beaucoup plus n'avait qu'un homère, et celui qui en manquait avait aussi un homère, de telle sorte que celui qui avait plus n'avait rien de trop, et celui qui avait moins ne manquait de rien. Et ça, ce n'est pas toujours facile à faire,
le partage, dans la générosité. Surtout que dans les derniers temps, les êtres humains seront égoïstes, nous dit Paul dans son épître à Timothée. Alors voilà l'action ponctuelle dans la première Église et avec l'écrit de Paul, l'établissement de la doctrine qui remonte à l'Ancien Testament, puisqu'il va s'appuyer sur la pratique divine de la répartition de la manne pour établir un principe divin dans l'Église. Ils étaient chaque jour tous ensemble, et c'est ça le mot, l'expression importante, tous ensemble, assidus au temple. Les chrétiens de la première Église ne vivaient pas d'air pur ni d'eau fraîche. Néanmoins, malgré leurs occupations, malgré leurs activités, malgré leur travail, ils étaient capables, chaque jour, d'être tous ensemble, assidus au temple, non seulement tous ensemble, mais l'assiduité, non pas manquer pour un oui, pour un non, non pas s'absenter parce qu'on a d'autres intérêts en rapport avec la terre et notre petite personne, plutôt que d'avoir les intérêts de Dieu, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Voilà. La crainte s'emparait de chacun, et ça n'empêchait pas la joie du ciel de cohabiter dans leur cœur avec cette sainte crainte. Et peut-être même que quelquefois il n'y a pas la joie parce qu'il n'y a pas la sainte crainte. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils mangeaient parfois les uns chez les autres, mais pas pour épater le voisin, parce que vous connaissez bien la pratique des gens du monde. J'ai été reçu ici, on m'a donné ça, ben moi je vais les recevoir et je vais mettre un peu plus. Alors après c'est l'escalade, c'est à celui qui va faire mieux que l'autre. Mais les chrétiens de la première Église étaient restés simples, simples dans leur vie quotidienne. Ce n'étaient pas les esclaves de la table, ils n'étaient pas esclaves du luxe, ils n'étaient pas esclaves d'une surabondance qui après tout n'appartient qu'aux riches. Mais ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et Paul écrira aux Corinthiens quelque temps plus tard, je crains que vos cœurs ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Christ a été un homme simple et il nous communique sa simplicité. Et quand l'Église perd sa simplicité, elle perd une partie du caractère de Jésus. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Alors, ce louant Dieu ne parle pas d'une louange ponctuelle, mais d'une louange permanente. Comme le psalmiste l'a fait dans l'un des psaumes, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Il a fait ceci, cela, car sa miséricorde durera toujours. Il a fait autre chose, car sa miséricorde durera toujours. 27 fois, car sa miséricorde durera toujours en 27 versets. Eh bien ici, si on voulait transcrire la vérité, on alourdirait le texte, mais il faudrait écrire, il persévérait dans l'enseignement des apôtres en louant Dieu.
ils persévéraient dans la communion fraternelle en louant Dieu, ils persévéraient dans la fraction du pain en louant Dieu, ils persévéraient dans les prières en louant Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun, louant le Seigneur. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun, tout en louant le Seigneur. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, louant Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Ils étaient dans un état permanent d'adoration, de louange, d'action de grâce. Et c'est pour ça que ça marchait. N'allons pas chercher midi à 14 heures. Il n'est pas nécessaire d'acheter des tonnes de livres pour savoir comment nous pourrions connaître le réveil. Il suffit de revenir aux Écritures. De revenir aux Écritures et de faire d'après le modèle qui nous est montré sur la sainte montagne de la Bible. Et il y a eu des périodes faciles. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Béni soit Dieu pour les périodes faciles, mais quelquefois elles ne durent pas longtemps. Au chapitre suivant, il va y avoir le premier miracle, suivi de la première persécution. Mais à cette époque-là, il y a eu un temps où ils ont trouvé grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Seigneur, fais-nous revivre ces temps-là. Fais-nous revivre ces temps-là. Mais nous ne les revivrons que dans la mesure où nous vivrons comme ces chrétiens de la première Église vivaient. Que la Bible soit toujours notre modèle, mes frères et sœurs. Ne nous fourvoyons pas en allant chercher ailleurs que dans la parole de Dieu le conseil du Seigneur. Nous croyons que Dieu n'a pas changé. Le Dieu de ces chrétiens-là, c'est notre Dieu, que son nom soit béni, et c'est lui que nous voulons célébrer ce matin encore et le faire de tout notre cœur.